est sur le deuxième spot cette fois-ci. C'est un spot un peu particulier que j'ai trouvé par hasard sur Google Maps et je voulais quand même aller voir ça. Il pleut dehors, c'est pas super beau, mais c'est pas vraiment grave parce que ça va rajouter quelque chose à l'ambiance en fait du lieu. Donc je vous montre ça en image tout de suite. Ok, je reviens de, je sais pas, peut-être plus d'une heure en tout cas, voire bien deux heures en tout cas, de marche dans ce cimetière de voitures. C'est assez impressionnant, toutes les carcasses rouillées qu'il peut y avoir dedans, un bus géant, enfin, c'est de la folie pure, des vélos, enfin, je comprends même pas comment ça peut exister. C'est une attraction touristique, je veux bien, mais c'est dingue en fait en soi, parce que voilà, derrière, on sait que c'est de la pollution de toute façon. Vu comme ça a été entreposé depuis des années et des années. Ça n'empêche pas que ce soit quand même assez prenant. Je me suis beaucoup promené dedans, c'est très très vaste. Et si vous passez en Suède, si vous venez dans le coin, je vous mettrai le point quelque part, peut-être directement en commentaire épinglé ou bien en description de ce lieu. Il pleut à verse maintenant, il a plu à verse pendant, il a pleuviné, il a tout fait, bref. J'ai mon appareil photo qui est trempé, j'ai mes chaussettes trempées, chaussures trempées. Donc là, on va aller manger tranquillement, puis on va voir ce qu'on peut faire pour le reste de la journée, si on peut aller faire un peu de drone ailleurs. Ciao! Fin de journée, du coup, après le cimetière des voitures, après avoir volé aussi avec le drone, du coup, aujourd'hui, une fois. Mais ça, c'est rien, parce que demain, on repart vers une nouvelle aventure, on va dire. Et je prends le chemin des écoliers pour rentrer. J'ai repéré un petit chemin qui borde les lacs. Il commence à faire gentiment nuit. Mais même comme ça, de toute façon, c'est pas grave.
dans le sens où je m'arrête quand même pour prendre des photos sur des spots. Je sais pas si j'ai utilisé ou pas. On verra la photo là ou pas, je sais pas. Du coup. Et puis voilà. Donc comme je disais, la recherche de spots, elle est en permanence. Là, je roule pas très vite. Je suis sur des petites routes, donc j'ai le temps d'admirer, de regarder et de rechercher aussi les spots, hein, qui m'intéressent. Donc voilà. Moi, je vous dis à demain. Ciao, à plus. Peace.